Salutations, petit capitaine et grands amiraux, ici Starcade, votre hôte, et nous nous retrouvons pour une bataille du premier de la classe avec Monkey D. Joris dans son magnifique Kutuzov. Alors, c'est pas une cachotterie du Kutuzov, parce que c'est un replay seul. Donc, j'avais envie de faire un petit replay seul avec le Kutuzov plutôt qu'avec ses petits épisodes. Donc, on va regarder un peu ce qu'il a fait, parce que c'est un Kutuzov, c'est un de ses navires préférés, si j'ai cru comprendre en tout cas. Donc, en face, on va voir ce qu'il y a avec. Alors, on est sur quoi déjà? On est sur l'Atlantique. Il y a un Musashi, Massachusetts, Tirpitz, Nelson, Gneisenauer en face. Donc c'est du 7 à 9 au niveau des rangs. Donc c'est intéressant. Parce qu'il est, là, il est moyen. Donc c'est pour lui c'est assez approprié. Donc qu'en croiseur, il y a Buffalo, Kronstadt. Il y a un Kronstadt quand même. Baltimore, Mogami pour les croiseurs. Donc Tashkent, Lightning et Mahon pour les destroyers. Intéressant. Très intéressant. Et chez lui, la Musashi, North Carolina, Roma, Duke of York, Charles North pour les cuirassés. Buffalo aussi, Alaska, un Alaska pour, bah oui, pour contrer le Kronstadt. Mogami et lui-même pour les croiseurs. Jutland, Ognomoy, Jarvis pour les destroyers. Alors je rappelle que les torpilles du Kutuzov sont à 8 km, si je me souviens bien, oui c'est ça. 12,7 pour sa détection. Et il peut tirer à 19,1 km, ce qui est énorme. Énorme en fait, si vous le mettez dans un écran de fumée, personne ne peut le détecter. Voilà, c'est incroyable. C'est vraiment c'est un tueur en fait, un harceleur de première. Hein. C'est longue distance en plus. Pour un croiseur de rang 8 par rapport à ses congénères. En 8, le Prinzogène, je crois que c'est du 16 km ou 17 km, grand maximum 17 km hein, pour le Prinzogène. Pour les croiseurs anglais, c'est du pareil, c'est du 16, 15, 16, 17 au grand maximum. Pour le croiseur anglais en tout cas. C'est le Fiji, non c'est pas le Fiji. Fiji c'est celui du 7. Le 8 je sais plus ce que c'est. Le Neptune c'est le 9. Et le 8 c'est le. Son nom m'échappe. Tant pis. Tant pas grave. Donc il accompagne le Jutland. Et il y a un cuirassé derrière lui qui l'accompagne aussi. Le Musashi en plus, bon c'est bien, c'est quand même sous une bonne étoile là. Hein. Et il y a un autre cuirassé qui arrive dans cette direction là aussi, pendant que tout l'autre groupe va sur C. Et il y a un destroyer qui a pris B, qui est en train de prendre B, incroyable. Kronstadt. km, ouais, ça pourrait le faire. Presque, presque, un peu trop en arrière en fait. Il a changé la visée d'ailleurs, on l'a vu. Ouh, il y a un Massachusetts noir là-bas, totalement noir, regardez. Je crois que c'était la version Black, Black Massachusetts. Ah par contre, touché. Ah, il a ralenti l'enfoiré. Le Kronstadt a ralenti, je crois pas. Ah, il a participé à la prise de la base A, intéressant. Je rappelle que le Kutuzov a un écran de fumée, hein. Donc il peut se faire repérer les 3 navires qui vont tirer dessus. Je pense que le moment de mettre un écran de fumée est arrivé. Mais bon, on peut tromper. Hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être un destroyer dans les environs, mais c'est pas sûr du tout. Et là, ça commence fort. 3600 quoi. Et un incendie. Ouais, attention quand même, hein, de ne pas s'exposer trop. Toucher un incendie à nouveau, dommage pour le net ça. Et là on a le Musashi qui avance lentement. Ça va être une cible de bonne aloi je pense. Encore un incendie. Donc deux incendies qui tournent là. C'est toujours sympa. Musashi qui tire quand même, attention. Tirer sur lui, donc bah voilà, hop, petit écran de fumée. Le Kutuzov c'est vraiment un gros build quoi, parmi les croiseurs. Hein. Les croiseurs de rang 8, avoir un écran de fumée c'est quand même un sacré avantage quoi. Surtout avec des canons qui peuvent tirer à 19 km. C'est de la folie furieuse. Ouais, il a commencé à avancer je pense à mon avis, non ? Même pas. Ah, il regardait avec son. Hey. Et puis avec. Oula ! Il tire dans la fumée, il aurait fait comme moi en fait. Mais en fait, oui, il fait avec son lanceur torpille, il regarde la direction dans laquelle va le Musashi. Il dit que ce sera pile, vitesse normale.
Ça, c'est un avantage pour les croiseurs qui ont des lanceurs de torpilles, ils peuvent vérifier la vitesse des navires. S'ils reculent, s'ils avancent, c'est pas trop visible à cause de la fumée et puis des incendies. Saloperie de Kutuzov. Il accumule comme 53 000 points de dégâts et 4 incendies quand même. Hein. Tout en ayant pris que très peu de dégâts finalement. Tir en cadence, j'aime bien aussi comme ça. Parce qu'on peut ajuster au fur et à mesure qu'on tire, on peut ajuster le tir. Je fais ça avec mon Hindenburg et mon Zao. Sauf quand je suis en perforant et que je sais qu'il faut que je fasse un tir groupé pour faire le plus mal possible. Ah, je serais le Musashi, je serais dégoûté. On tire dessus, qu'on puisse me tirer dessus comme ça. On peut mettre des feux, on peut me ronger comme ça les points de structure en restant dissimulé quoi. Ah, il n'est plus dissimulé. Si, toujours dissimulé d'ailleurs. Ah non, repéré, c'est bon. Il est repéré. Il a commencé à avancer, je pense. Enfin, il a commencé à avancer depuis tout à l'heure en fait. Il reste sur le binoculaire simplement. Regardez la mini carte. Encore un incendie. Allez, fais-toi plaisir. Oula, attention. J'ai tiré, ça t'aurait l'arrière. Hey. Non, il a mal visé. Musashi. Musashi va-t-il mourir sous le feu terrible des Kutuzov. L'équipe est en train de perdre tout de même perdu une deuxième base peut-être. Il y a un destroyer qui tient. Et deux navires perdus quand même et un navire coulé chez l'ennemi. Kronstadt peut être très 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 ennuyeux. Je le connais le Kronstadt, hein, je l'ai joué plusieurs fois, une bonne vingtaine de fois déjà. Et il est très dangereux. Quand même du 305 mm qu'il a hein, dans les tubes, donc voilà, hop. On passe, bien sûr. À l'écran de fumée. Ok, il bouge un petit peu quand même. Du coup, il y a des trucs de Tashkent. Oula, ils en sont à 2 à 3 pour l'équipe amie. Mais pas grand chose. Il va pas rester ici à se faire descendre donc il avance, il fait bien d'ailleurs. Touché quand même, 1452. Ça va, le tir pit c'est là mais. 5000 points, le tir pit c'est plus intéressant pour le. À sortir en fait. Il est pas dans la base, c'est quelqu'un d'autre qui est dans la base. Il a changé de type comme ça. Ils sont plus dangereux en fait les gens qui sont au nord, les trois qui sont au nord là. Plus dangereux ceux qui sont au milieu en fait. Donc c'est sur là qu'il faut se concentrer je pense. C'est pour ça qu'il a tiré. Il commence à tirer sur le tir fixe. Mais il y a un destroyer ennemi quelque part dans le. Il y a le destroyer ennemi qui reste, le lightning, et quelque part dans B. Pas loin du tir fixe je pense à mon avis. Un incendie encore, 8 incendies depuis le début. Miam. Attention, plus que 15 secondes avant la fin des contumés. Catastrophe naturelle. C'est un spécialiste avec le Mosva et puis avec le Kutuzov. Il adore mettre le feu. C'est un vrai pyromane. C'est un vrai pyromane, notre ami Monkey Juris. Il est fou de la pyromanie et surtout il adore aussi mettre des torpilles, donc c'est pour ça qu'il adore les jeux des croiseurs. C'est des jeux à long terme en fait, enfin c'est des manières de jouer à long terme. Parce que vous mettez le feu, ou vous torpillez, soit vous détruisez d'un coup, soit vous inondez. Donc le feu pareil, soit vous tuez d'un coup si possible. Mais sinon vous mettez le feu et vous rongez les navires au fur et à mesure que c'est l'entropie. En fait, Michael Joris il joue que des navires anthropiques. C'est excellent. Et hop là, allez, hop, les torpilles en moins. Pour. Oula, il va se prendre. Bah voilà. Oh, il l'a eu au feu. Il l'a eu au feu parce qu'en fait, il a pris une torpille.
torpille, mais la torpille n'était pas assez puissante pour le finir complètement. Ou un buffalo. Un petit coquinet de buffalo et un incendie sur le buffalo, et ça fait que 10 incendies seulement, c'est tout. Je suis un peu déçu, hein. Je pensais qu'il en ferait au moins 20. Peut-être pouvoir passer au perforant bientôt. Quoique non, là. Ah bah il est fini, buffalo, il est en train de foncer en plus, mais attends, mais il fait le... Il est en train de faire le... de suicider, quoi. Il va essayer de tourner pour essayer de se prendre, de se tirer sur le Kutuzov à bout portant, mais à mon avis ça ne marchera pas. Si, un petit peu quand même, ouais, un petit peu. Il a failli réussir, hein. Couler, ami, couler. 6 navires ennemis coulés. Ouais, un petit peu trop loin peut-être. Qui peut l'avoir, ouais, c'est qui peut l'avoir au. Non. Vous pouvez mettre un incendie au Nelson, ce serait pas mal. Ah, oui, d'accord, le Duke of York et le Nazano se sont rentrés l'un dans l'autre. Kaboom! Autotorpedeuse, on appelle ça. Ah, plutôt, ouais, non. Bateau tamponneuse, c'est mieux. Voilà, si vous me posez la question, qu'est-ce que j'aurais pu dire pour ça? Non, bateau tamponneuse. Logique. Torpille droit devant. Ouais, là ça va pas le faire, ça va pas le faire. Attention. Ouh, c'est. Oh, c'est... oh non. Oh, c'était un millimètre quoi. La torpille a raté la coque à un centimètre, pas un millimètre, mais un centimètre quoi. Folie furieuse. Bien joué en tout cas, hein. Super. Voilà, il a fait son petit mouvement là, son petit. Et hop, j'esquive. Et hop, I dodge. Prise de la base, incendie provoqué, bon, on comprend pourquoi il est premier de la classe, hein. Il n'y a pas non plus à chercher trop loin. 2641 sur le Kronstadt, qui doit bien dégoûter lui. Bon bah la bataille est gagnée, c'est à peu près sûr maintenant. Bon, j'ai toujours qu'il n'y a pas... c'est tant que les navires ennemis sont pas tous finis, ou les points un peu tous sont rangés, ou que le temps ne soit pas écoulé, la bataille n'est pas terminée, mais bon là, ils ont 530 points d'avance. 3 navires restant seulement dans l'équipe ennemie contre 7. À première vue, à part un miracle, enfin pour l'équipe ennemie, je parle. Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Musashi a détruit le Kronstadt, donc il reste plus qu'un navire, le Batashusett. Ah non, il manque un destroyer aussi. Où est-il le destroyer? Lightning, y a pas de trace de lui. Bizarre. Donc une belle bataille, enfin c'est parce que c'est pour ça que j'ai pas mis dans les cachotteries, parce que c'est une bataille superbe mais rapide qui montre vraiment la professionnalisme de mon Kelly Juris. Ah bah détruit, d'accord. Mais qui n'est pas aussi réussi que les cachotteries en fait. Mais c'est quand même magnifique, hein, franchement. Réussir à faire 176 000 points de dégâts, 12 incendies provoqués. C'est le placement et la manière d'utiliser son écran de fumée qui est... On en apprend tous les jours en fait. Mettre son écran de fumée le moment où il faut, c'est le plus important. Et ben voilà, il y a un lightning ici. Va-t-il pouvoir le finir? Enfin, va-t-il pouvoir le finir? Il va lui faire mal, c'est sûr et certain. Allez hop, il peut tirer tout abordé là maintenant. Allez, putain, le mec il doit être dégoûté quoi. 181 000 points de dégâts. Gros calibre, un incendie provoqué. Et il le finit normalement là. Voilà. Superbe partie. Bravo à toi, mon Kelly Juris. On se retrouve dans les statistiques.
colonie,